Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing, enfin. Alors pourquoi enfin? Pas pour cette boutique là, hein, je parle en général, c'est qu'en ce moment les colis ont du mal à arriver. Alors bon, c'est vrai que c'est les vacances, hein. Donc déjà c'est un peu plus long que d'habitude. Et j'attends pas mal de paquets pour les partenariats. Et j'en ai encore. Bon, j'en ai reçu un aujourd'hui. Mais ça arrive au ralenti en ce moment. Bon, je sais que ça ne vient pas que de la boutique. La poste, les transports, tout ça, hein, ça c'est le mois d'août. Donc ça marche un peu au ralenti. Donc, je ne m'inquiète pas encore beaucoup, mais voilà. Et je sais qu'il y a certaines boutiques qui en ce moment changent d'entrepôt. Donc, ils sont en plein déménagement. Voilà, donc tout ça faisant, ça bloque un peu les livraisons. Voilà, mais bon, il n'y a rien de grave. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit paquet de chez Meet of Asia. Voilà, je vous ai déjà fait une précédente vidéo il y a pas si longtemps que ça. Ben, je vous remettrai le lien hein, sur comme je fais toujours. Et j'avais chez eux, j'avais eu quoi la première fois? Ah oui, la femme avec les cheveux rouges, orange, voilà. J'avais eu ça. Aujourd'hui, bon, j'ai déjà mis mon étiquette pour savoir ce que c'est, pour en ranger. Celui-là, c'est Chouchou qui va le faire. Hein. Alors, voilà, je l'ai reçu, emballé dans le gros plastique, hein, comme d'habitude, mais ça, je l'ai déballé. Alors, la première fois que j'avais commandé chez eux, enfin, que j'avais fait un partenariat avec eux, je vous avais expliqué que l'on avait la possibilité de demander un emballage cartonné, mais ça, c'était payant. C'est payant en plus, c'était 2,95 €, voilà. Donc, si, je dois l'avoir là, oui, hop, il y a là. Rappelez, c'était le gros tube. Voilà, c'était celui-là. Là, j'ai dit, je ne vais pas demander l'emballage spécial, justement pour voir aussi comment on reçoit les kits quand on ne paye pas le supplément. Eh bien, je le reçois dans un carton. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je l'ai reçu comme ça. Pour ce modèle-là, en tout cas, hein, je ne sais pas si tous les modèles de la boutique sont emballés comme ça. Mais voilà. Bon, le carton est un petit peu croqué, mais ça, c'est hein, c'est les transports, on ne peut rien y faire. Hein. Mais sinon, c'est pas abîmé. Donc, c'est à l'effigie du site, donc Meet of Asia. Voilà, donc là, je l'avais déjà ouvert là, pour regarder en arrivant s'il n'y avait pas de problème. Il n'y en avait pas. Alors, c'est un kit que je vous donne déjà les caractéristiques. C'est un 40-50. Il est en perle ronde, si je ne me trompe pas. Alors, attendez. Hop. Excusez-moi. C'est vidéo bien préparée. Alors, oui, ce sont des perles roses. Voilà. Avec les petits sachets zippés avec le diamant dessus. Voilà. J'aime bien quand c'est cette marque là, les sachets sont c'est des sachets zippés, donc j'aime bien. Alors avec, c'est écrit c'est de l'allemand, du néerlandais, enfin bon ça vient des Pays-Bas, hein, donc voilà, une petite notice que je ne vais ni vous la lire ni vous la traduire parce que je ne saurais pas. J'ai reçu avec le petit toolkit, comme ceci. Alors, avec un petit stylet transparent, la petite pince, mais c'est la pince souple. Mais bon. Le petit carré de glu et un petit plateau avec... Je vais le sortir, ça ira mieux. Viens par ici, toi. Hop.
le petit plateau avec la petite goulotte là. Voilà. Et j'ai fait tomber quelque chose. Oui, c'est le stylet. Alors, le stylet, une pointe d'un côté et trois de l'autre. Trois ou quatre. Donc, voilà pour le petit toolkit. Et là, j'ai eu dans le paquet quelque chose en plus. C'est la première fois que j'ai ça avec un kit. Hop. Des feuilles repositionnables. Pas facile à dire, hein. Voilà, ce sont des feuilles. C'est comme le papier sulfurisé, hein. Mais voilà, donc j'en ai eu une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc c'est des feuilles qui mesurent combien? Tant qu'à faire, je vais tout vous dire. Hein. Edith, prends ta règle à l'endroit. 20 cm. Bon, ça doit être sur 15, ça. Ouais, sur 15. Voilà, donc comme c'est un plastique transparent sur le kit, bah, vous pouvez mettre les papiers comme ça dessus à la place. Donc voilà, donc là c'est la première fois que j'en ai. Hop, je débarrasse un peu. Combien de couleurs? On a 40 couleurs pour celui-ci. Je vous montrerai l'image après. Mais on va s'intéresser aux perles. Je vous mets face bureau pour mieux vous montrer. Alors, les perles. Voilà les perles. Alors, avec, on a une feuille de route. Bon, je ne vous montre pas le dessin. Voilà, on a une feuille de route. Ben oui, le dessin, c'est pour après. Non, je pense que je ne sais jamais dans quel sens je dois vous montrer. Allez, on va le montrer de côté, ce sera mieux. Avec le 1, 2, 3, 4, 5, les symboles. Donc, je vous montre les symboles que l'on va avoir sur ce kit. Donc, des chiffres, des lettres majuscules, des petits symboles, comme ici. Voilà. Il y a des minuscules aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des couleurs? Alors là, il va y avoir des couleurs qui se ressemblent un peu. Vous voyez, le L, le C, le 2. Donc, il faudra faire attention justement avec les symboles. Le P aussi se ressemble. Le petit symbole là, il est là dans les mêmes tons. Ici aussi. Voilà. Mais bon, on va voir déjà sur la toile si c'est bien imprimé. Donc, mais normalement, je ne pense pas qu'il devrait y avoir de gros soucis. Alors, je vous montre les couleurs. J'ai enlevé le flash pour que vous voyez mieux. Voilà. Un marron. Alors, ils n'ont pas tous. Ils n'ont pas tous le. Voilà, comme ici, vous voyez. Le petit diamant. Tous les sachets ne l'ont pas. Alors, on a des sachets différents, vous voyez. Alors, soit avec un sticker, c'est le chiffre. Soit le chiffre et le petit diamant rose, ou soit le chiffre imprimé sur le sachet. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres sortes. Non, voilà. Donc, il y a trois façons sur les sachets. Mais bon, le principal, c'est la qualité des perles. Hein. Vous voyez, elles sont vraiment belles. Alors, il y a des jolies couleurs. Hop, neuf, allez. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas. J'ai mon ventre qui gargouille. J'ai faim. Un joli verre d'eau. Ici, un gros paquet de marron. Oh, c'est pas possible, mon ventre, comment il gargouille. Après la vidéo, je vais aller manger un petit truc. Hein. Alors, ici, allez, marron. Alors, c'est pas blanc, blanc, blanc. Hein, ça, c'est une autre sorte de blanc. C'est pas le 5200.
violine. Ah, voilà encore un autre blanc. Marron. Beige rosé, clair. Un peu orange. Un beige rosé. Un bleu. Un vert. Un kaki. Bon, il y a beaucoup de marron, hein. Vous comprendrez pourquoi après, quand je vais vous montrer l'image, bien sûr. Une palette de vert, hein, voyez. On repart dans le marron. Là, on est dans les beiges. Un orangé clair. Et le dernier. Allez, voilà. Donc, voilà pour les perles. Alors, attendez, je vais les mettre sur le côté. Hop, hop, hop. Je rangerai tout ça après. Et maintenant, je vais vous montrer le dessin. Alors, attendez, je fais un peu de place. Je recule un peu ma caméra, enfin mon téléphone. Alors, déjà, alors attendez, vous n'allez pas bien voir comme ça. Excusez-moi, hein, je manipule mon pied, mais c'est pour que vous voyez bien. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Désolée. Pas de rivière, hein, des petits plis là, mais bon, c'est pas très très grave. C'est je pense que c'est juste le plastique de l'autre côté. Et voilà le dessin. Alors, attendez. Voilà, vous voyez mieux avec la lumière, ça a reflété. Donc, je montre un peu le haut. Voilà. Donc, c'est une égyptienne, hein, on va dire que c'est Cléopâtre, hein, voilà, avec ses panthères. Voilà, vous voyez, il y a trois panthères et tout un encadrement de style un peu égyptien, justement. Là, on a un petit, j'allais dire, comme un pharaon. Bon, il y a beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, mais bon, c'est Chouchou qui l'a choisi. Mais je pense pas qu'il devrait y avoir de problème. Alors, on va garder l'impression. Alors, je vous montre. Voyez. Les blancs sur du foncé, on les voit bien. Sur du clair, oui, ça va. C'est visible. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Donc, niveau impression, ça va. Et niveau colle, oh, oui, niveau colle, ça va aussi. Il y a ce qu'il faut. Alors, on va regarder de... Bon, vous savez que nous, on enlève nos plastiques transparents. On ne garde pas ça. On met du papier sulfurisé à la place. Et voilà, de l'autre côté. Désolée, vous voyez les lettres à l'envers, là, mais... Vous voyez, il n'y a pas de problème d'impression. Il va y avoir du confetti. Chouchou va s'amuser. Mais ça devrait le faire. Voilà. Les panthères sont très belles. Alors là, bon, je vais vous montrer son... Voilà l'image. En détail. Mais je vous remettrai la photo, comme d'habitude. Donc voilà. Donc ce kit, vous le trouvez dans la boutique Myth of Asia. Je vais vous mettre en barre d'infos, comme d'habitude,
le lien de la boutique, le lien du kit, et si j'ai d'autres informations à vous noter, je vais vous les mettre également. Vous dire de plus sur la toile, oui, que ici, hop, elles sont estampillées au nom de la boutique, voyez, et ici en bas du kit, vous avez également leur page Facebook. Voilà, donc en plus de la boutique. Ici, donc, c'est néerlandais et là, c'est allemand. Voilà, donc c'est une boutique qui vient de là-bas. La qualité est bien. L'épaisseur, nickel. Voilà, ni trop, ni pas assez. Juste ce qu'il faut. Est-ce qu'elle brille? Non, il n'y a pas de paillettes, mais bon, elle est... au niveau des légendes, c'est bien fait, c'est clair, on comprend tout, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, oui. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire sur la feuille. Alors, sur la feuille, vous allez retrouver les 1, 2, 3, 4, 5, etc. Les symboles. Bon, il faudrait bien que tu fais le point, s'il te plaît. Voilà. À côté, le 300, c'est la référence DMC. Le 2709, c'est le nombre de perles dont vous avez besoin pour faire le kit. Et le petit chiffre en rouge, 16.1, c'est les grammes qu'il y a dans les petits sachets de perles. Voilà. Donc là, vous avez toutes vos... le nombre de perles, et ici, donc, c'est en grammes, ce qu'il y a dans les petits sachets. Voilà. Donc, tout est bien expliqué, tout est clair. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, voilà ce que j'ai eu, donc, avec le kit, les petites feuilles, les perles, bien sûr. Et puis, voilà. Que dire de plus? Pour l'instant, j'ai pas de soucis avec cette boutique. Hein. Ils livrent rapidement, enfin rapidement, entre parenthèses, parce que c'est le mois d'août, hein, mais je veux dire, j'ai quand même eu en... On est quoi? On est le 19, je crois. Ah ben, je l'ai eu en 15 jours, tout rond. Voilà, je l'ai reçu en 15 jours. Donc, délai normal. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais ce kit vous intéresse et que vous voulez le prendre, bah dites-le moi pour savoir si vous aussi vous allez le faire, pourquoi pas. Dites-moi aussi si vous aimez bien ce style d'épée, voilà, avec des animaux, des personnages, du paysage. Là, il y a tout qui est réuni sur ce kit. Dites-le moi. Là je vous ai dit, hein, c'est des perles rondes, je vous les ai montrées, et au passage, bah, dites-moi justement, est-ce que vous préférez les perles rondes ou les perles carrées, ou ça n'a pas l'importance, dites-le moi, j'aimerais bien le savoir. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui, et nous on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.